Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre logique ou opérateur sur la programmation de Java. Alors c'est quoi logique ou opérateur sur la programmation de Java? Alors sur la programmation de Java, logique ou opérateur c'est utilisé pour séparer comme deux conditions, ouais, comme par exemple un petit nombre est plus petit qu'un grand nombre. Ou un grand nombre est plus petit est plus grand qu'un petit nombre. Alors, comme pour que vous compreniez mieux, je veux vous montrer des exemples en utilisant logical non je veux dire ou logical ou opérateur, ouais. Alors, en premier, on va écrire on va commencer par écrire entier. Ouais. Entier. Ok. D est égal à 12. Alors, celui-là, entier D est égal à 12. Alors, celui-là sera notre plus petit nombre. Attendez, je vais juste enlever ce gros espace. Ouais. Ok, maintenant, on va créer une autre variable qui s'appelle U est égal à 78. Non, je vais créer un autre qui s'appelle 36, ok? Non, comme la valeur de la variable U, pas que ça s'appelle, non, non, je ne vais pas dire. Je veux dire que la valeur, ok? Ouais, ok, maintenant, je vais créer system.out.println. Ouais, comme toujours, entre les parenthèses, et on va écrire D est plus petit. Non, ouais, c'est ça. D est plus petit que U. Oh non, pas égal. D est plus petit que U. Ou U est plus grand que D. Alors, c'est ça. Alors, quand on va exécuter ce code, ça va nous donner le résultat vrai. Alors ici, on est en train de demander Java ou notre compiler chose. D si Java si D est plus petit que si D est plus petit que U ou U est plus grand que D. Alors Java s'il te plaît. Non, pas s'il te plaît. Je veux dire comme ça va, ouais, c'est ça, on est juste en train de demander Java. Si Java, est-ce que D est plus petit que U ou U est plus grand que D? Ouais, on est juste en train de demander ici, ok? Alors Java va nous répondre vrai, car les deux conditions sont vraies. Et quand les deux conditions sont vraies, Java va l'exécuter. Mais quand une de ces conditions sont fausses, comme par exemple D est plus grand que U, alors ça va quand même continuer de dire vrai. Car ici, on n'est pas en train de comme dire D est plus grand que U et U est plus petit et grand que D. On est en train de dire, on est juste en train de demander D est plus grand que U. Ou U est plus grand que D. Alors, on est en train de demander à Java laquelle est la bonne réponse. Celui-là, ou non, comme quelle condition est vraie ou quelle condition est fausse. Alors, celui-là est fausse et Java va l'ignorer, celui-là. Mais celui-là est vrai, alors Java va exécuter vrai dans ça. Mais quand on va écrire en utilisant comme l'opérateur et, alors ça va exécuter faux. Mais quand on utilise l'opérateur, c'est ça, l'opérateur ou, logique, ouais, alors ça va nous donner le résultat vrai. Alors, c'est ça. Alors, ça c'est comment on écrit comme D, comme. C'est ça. Ça c'est comment on écrit comme les deux conditions en utilisant l'opérateur ou logique l'opérateur ou ouais logique ou l'opérateur ouais comme ça. Alors on peut même écrire cette même condition dans if statement, dans for loop, dans do while loop et dans while loop. Ok, mais dans cette vidéo je vais vous montrer
Comment écrire cette même condition ou le changer un petit peu en utilisant if statement et while loop. Ok, en premier, on va commencer par écrire if. Ouais, if, comment on le traduit hein, comme en français, c'est si, entre les parenthèses, d est plus grand que u. Ouais, d est plus grand que u. Et ou. U est plus petit que D. Alors ici, on va mettre notre curly braces. Alors system.out.println. Entre les parenthèses, on va écrire D. Alors ici, on n'est pas en train de demander comme celui-là. On est au lieu de demander, on est en train de dire à Java, ou notre compiler, si D est plus grand que U ou U est plus grand, plus petit que D, alors s'il te plaît, exécute pour moi la variable D. Mais si la condition c'est fausse, ça va pas l'exécuter. Ah, attendez. Ouais, je vais juste enlever ça pour ne se pas mélanger. Et c'est ça, ça n'a rien exécuté. Et quand ça n'a rien exécuté, ça veut dire que les deux conditions sont fausses. D'ailleurs, regardez, D est plus grand que U. 12 est plus grand que 36. Ça, c'est pas vrai. Java va pas l'accepter. U est plus petit que D. 36 est plus petit que 12. Non, c'est pas possible. 36 est plus grand que 12. C'est pas petit. Alors, ça va pas l'exécuter. Mais quand les deux conditions sont vraies, alors ça va l'exécuter la valeur de la variable D. Alors, ici, on va écrire D est plus grand que. Non. D est plus petit que U. Et ici, on va écrire U est plus grand que D. Alors, quand on va écrire ça va l'exécuter la valeur de la variable D, mais ça va pas exécuter c'est ça va pas exécuter la lettre D. Et c'est ça. Mais, et ça, c'est ça c'est comment on écrit comme. Notre même condition ou le changer un petit peu en utilisant ou logique ou opérateur sur la programmation de Java. Ok, maintenant je vais enlever le code de if statement et maintenant je vais utiliser while loop. Alors en premier, on va écrire while loop. While loop, c'est comme pour répéter quelque chose et comme for loop ou do while loop. Mais c'est différent que if statement, c'est pour répéter, mais if statement, c'est pas pour répéter, ok? Alors, c'est ça, mémorise ça, n'oublie pas. Alors, c'est ça, entre les parenthèses de while loop, on va écrire D est plus grand que U. Après, on va écrire curly braces, ouais, entre les curly braces, on va écrire system.out.println U, ok. Alors, ici, c'est un peu comme la même chose que if statement, mais c'est un peu différent. Alors, ici, si D est plus grand que U, alors Java, s'il te plaît, exécute pour moi la variable U. Mais ça va, au lieu de comme exécuter comme la valeur de la variable U juste une seule fois, ça va l'exécuter jusqu'à l'infinité. Regardez, là, regardez. Mais attends. D est plus grand que U. Non. Ah oui, j'ai oublié. Et c'est ça. Alors, ici, D est plus grand que U. 12 est plus grand que 36. C'est faux. Alors, ça va pas l'exécuter. Mais quand c'est vrai, la condition D est plus petit que U. Alors, ça va. Regardez. Ça va exécuter la valeur de la variable U qui est 36 jusqu'à l'infinité. Infini de fois, ok? Alors, on va juste arrêter cette code. Alors, si on veut comme mettre une limite là, comme pour combien de fois on veut pour que ça exécute. Alors, c'est ça. Alors, on doit écrire, on doit comme créer une autre variable qu'on va l'appeler i est égal à 1. OK? Maintenant, on va changer cette condition d est plus petit que e. Et on va écrire i est plus petit que 10. Et après, c'est ça. Après, on va écrire incrémentation. Incrémentation, ça veut dire que ça va ajouter comme une valeur de notre variable, comme par exemple,
36 là, ça va devenir 36 plus comme c'est ça. Ça va l'exécuter 10 fois. Comme ça va pas devenir 37, 38, 39, mais ça va exécuter la comme la 36 10 fois. Regardez. Je vais voir si, attends, on va voir ensemble si ça a exécuté 36 10 fois ou 9 fois. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh non. Ah oui, j'ai oublié. J'ai oublié d'écrire plus petit ou égal. Il faut toujours mettre notre plus petit ou égal. Sinon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, choses comme ça là. C'est ça. Alors, ça va devenir, ça va juste exécuter jusqu'à, ça va juste exécuter jusqu'à 9. Alors, si on veut que ça exécute 10 fois, attendez, je vais voir si, on va voir ensemble si ça exécute 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, ça a exécuté notre valeur de. Non. Ouais, c'est ça, le valeur de notre variable u 10 fois. Mais on peut même changer. On va faire d, ok? D. Ok, maintenant on va l'exécuter ça. Et voilà, ça a aussi exécuté 12 10 fois. Et c'est ça, c'était ça pour ma vidéo. N'oubliez pas d'abonner sur ma chaîne, de commenter sur tous mes vidéos, sur mes vidéos. Et si vous aviez aimé ma vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le thumbs up button. Et c'est ça, merci d'avoir regardé ma vidéo. Bye!